life be like. Ooh, ah, yeah, ooh, my life be like. Yeah, ooh, ah, yeah, ooh. I get a feeling it's gonna be a riot. If you had one shot, one opportunity, seize everything you ever wanted. Et bienvenue ici au stade de Charletti à Paris pour cette journée exceptionnelle, pour cette finale Elite 2012 qui opposera les Black Panthers de Thonon face aux Spartiates d'Amiens. Et aujourd'hui, grâce à la Fédération Française de Football et la Panthers TV, vous pouvez suivre ce match en direct sur Dailymotion. Alors aujourd'hui, on va vous présenter quand même de belles images hein, grâce à les moyens d'Euromédia France. On a pu se brancher sur leurs caméras, donc on vous propose aujourd'hui cette caméra pour cette finale élite. Et puis trois commentateurs, donc moi-même aujourd'hui. Et puis deux commentateurs, Laurent Labrune. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Bienvenue à Charletti. Pour ma part, je vais être un peu en retrait du commentaire. Je vais essayer d'avoir un peu plus de statistiques, de donner des statistiques. Tribune. On fait des grands signes à notre commentateur sur le terrain qui parlait dans son micro alors que j'étais en train de vous parler. Demander comment ces 15 derniers jours, comment il a préparé l'équipe pour cette finale. On a préparé l'équipe comme un autre match. C'est la seule façon d'aborder les choses. Certes, cette semaine, on a eu un entraînement supplémentaire. Mais sinon, c'est comme un autre match et c'est comme ça qu'il faut que les joueurs abordent cette question, ce défi important. Quels sont les joueurs des Spartiates que tu crains le plus? On craint personne, on respecte plein de joueurs par contre. Ils ont des bons joueurs à presque tous les postes et on sait que ça va être un défi important pour nous. On a joué une fois cette année, mais c'était un match à Thonon, c'est un long déplacement pour les Amiennois. Un déplacement difficile pour les équipes qui
7, 8 heures dans un quart pour jouer un samedi soir. Donc on sait que ça va être tout un autre match cet après-midi. Bah Larry, on se retrouve après le match. Un bon match. Et on a perdu. Ah, c'est bon. Je souhaitais juste un bon match à Larry et à Stipe. Bon, on a un problème de pile, peut-être. La semaine dernière, un match de Coupe d'Europe au Danemark, un match qu'ils ont malheureusement perdu. Je dis malheureusement parce que en Europe, je suis quasiment pour tous les clubs français, mais un match qu'ils ont perdu en overtime, 42-41. Donc un match long sur la durée. Et en même temps, les coachs disent toujours que c'est presque préférable. Enfin, il y a une semaine, pardon, on voilà. A mis. Alors on lance des t-shirts voilà, dans les tribunes. Dans les tribunes et il y a un peu d'émeute dans les tribunes. La fédération a organisé ça très bien avec des lancers de t-shirts. Non. Filme les gènes.
balle avec les... Donc on a les, on bénéficie, vous voyez à l'image que l'on bénéficie des images de la télévision qui retransmettra ce match en voilà. Différé. Voilà, à 17h, 17h sur la chaîne Bein Sport. Bein Sport, une chaîne du groupe CanalSat me semble-t-il, avec une nouvelle chaîne de sport qui s'est investie dans la retransmission de ce match. Et ben, ça fait plaisir parce que notre sport va sortir un peu de l'anonymat. Voilà. Alors bien sûr, on essaye de vous proposer ces meilleures images aujourd'hui. Alors, les deux équipes sont rentrées dans les vestiaires. Voilà. Le protocole sera que la première équipe à sortir, ce sera les Spartiates. Ce sera les Spartiates qui vont rentrer. Puis après, on aura des cheerleaders avant. Voilà. Sortie des Spartiates, ensuite sortie des Black Panthers et voilà. L'hymne national bien sûr. Voilà. Après nous aurons un petit discours de Marcangelo Soma, président de la Fédération Française de Football. Voilà. Parce que ce match, comme à l'habitude, permet de soutenir une association d'une maladie orpheline, une maladie qui touche souvent les enfants. Et le président de la fédération fera un discours à propos de cette association. Et le VAM Flèche Chamoué, partenaire officiel de la LFFA. Voilà, les tribunes qui se sont remplies. Voilà, qui se remplissent bien. Hein. Voilà, le troisième niveau commence à se remplir. La fédération a fait en sorte que les gens ne s'éparpillent pas dans tout. Ouais, les petites animations sur... Angelo Souma, juste à l'entrée des vestiaires. Marco, comment tu sens et quelle est l'organisation qui a été mise en place pour ce grand match? Depuis qu'on est arrivé en poste, on a voulu faire de cette finale une fête de la fédération, une fête familiale. Donc l'organisation suit ce principe avec, comme vous l'avez vu, des animations, un band, et puis on représente à la fois le cheerleading et le flag. Donc on est vraiment sur une fête fédérale. Un petit pronostic là sur est-ce qu'on peut lancer un peu sur un pronostic? Alors je ne me risquerai pas un pronostic, je résumerai plutôt la très bonne saison des Black Panthers qui ont fini premier. L'équipe est plus que jamais en position d'emporter le titre. Et puis la confirmation encore une fois des Spartiates
qui ont montré que sur les années, ils arrivaient à maintenir un haut niveau et à participer encore une fois à une finale. Donc là, on sait aussi qu'il y a un très bon système vidéo là pour Pat. Un petit peu sur cette cure, je dirais, les gars. Alors, c'est une volonté qu'on a affichée dès le début de l'année, d'aller vers le grand public afin de communiquer et montrer nos disciplines, parce qu'on est persuadé que nos disciplines plaisent de plus en plus aux gens. Donc plus on aura de personnes qui nous verront, plus on aura de licenciés, et mieux le football s'emportera. Et là, on est diffusé sur Bein Sport, on monte un partenariat avec plusieurs capteurs d'images. Je pense que dans le futur, ça va porter ses fruits. Bon, on te souhaite un bon match, hein, et puis on se verra certainement après ce match pour débriefer là-dessus. Merci. Que le meilleur gagne. Merci, voici les mots de Marc-Angelo Zuma, président de la Fédération française de football américain. Voilà. Dans le département de la Haute-Savoie, dont elle est la sous-préfecture. Alors, la petite différence au niveau des habitants, 140 000 habitants à peu près pour Amiens, contre 34 000 habitants pour Thonon. Amiens, une ville née à peu près au 3e siècle, parce que Thonon est née à peu près à l'époque gallo-romaine, donc trois siècles avant. Les deux clubs, eux, sont nés en 1987, les deux, donc les deux fêtent cette année leurs 25 ans. Voilà. Dans chaque club, ils ont une équipe cadette. L'équipe cadette d'Amiens a été malheureusement forfait général pour cette saison. Et l'équipe cadette de Thonon, elle, a été arrêtée. Ah, un deux. Ça, c'est le micro de l'arbitre. C'est l'arbitre qui teste son micro. Je disais donc l'équipe cadette de Thonon, elle, a été arrêtée dans le premier tour des play-offs, hein, puisque c'était sa première saison, contre les Argonautes d'Aix-en-Provence. Amiens a une équipe junior à 11. Thonon a une équipe junior à 9, hein, qui a été titrée une nouvelle fois cette saison. Amiens est une équipe B régionale. Thonon a une équipe B également qui joue, elle, dans la ligue NSFL. C'est la ligue de la Suisse romande. Donc des clubs qui sont autour du lac Léman, du lac de Genève pour les jeunes voix. Et puis donc chacune a une équipe élite, hein, qui s'y présente. En nombre de licenciés pour Amiens donc, et pour Thonon, ce qui doit comprendre aussi les licences, ce qu'on appelle licences découvertes, hein, 450 pour Amiens la saison dernière et 600 pour Thonon, dont 220 en compétition pour Thonon. Alors Amiens, elle est montée en élite en 1998 et Thonon est montée en élite en 1999. Thonon est retombé en deuxième division en 2003 pour remonter après son titre en D2 en 2005. Petite particularité, la descente de Thonon était volontaire. C'était une vraie descente voulue par le staff
les Tononais ne sont pas descendus sur un problème sportif. Ils ont décidé de descendre pour pouvoir mieux se préparer. Préparer pour la suivante. Parce que de jeunes joueurs arrivaient et l'effectif n'était pas assez au complet pour continuer en élite. Voilà, la vraie raison de la descente de Thonon, c'est ça. Donc voilà un petit peu là les petits comparatifs Amiens-Thonon. Tout au long de cette retransmission, je vous donnerai quelques informations supplémentaires. Avec l'entrée des arbitres, c'est monsieur Pierre Pagnon qui. Voilà, l'entrée des Spartiates. L'arbitre principal, casquette blanche. Pour les autres arbitres, le juge de mêlée sera Jean-Dominique Rossiot, le juge de champ arrière, Yannick Souy, le juge de ligne, Sébastien Plisson, le juge de chaîne, Tony Fonseca, le juge de sang, Serge Momerquet, et le juge de côté, Juan Pérez Canto. Voilà les Black Panthers qui vont maintenant plus tarder à rentrer. Pour finir pour le côté arbitre. Voilà les Black Panthers. Avec Pierre Lacoste, numéro 71 des Black Panthers, qui porte le drapeau. Et comme à Thonon, ils vont se réunir voilà, sous le poteau. Voilà, comme à Thonon, on ne change pas les habitudes, on va se réunir sous le poteau. On fait les dernières motivations internes, les capitaines qui parlent, et on va rejoindre les arbitres après pour le protocole. Voilà, et j'ai remarqué un truc, Laurent, je sais pas si tu as vu, ils ont enlevé les coussins de protection sur les poteaux. Je sais pas si c'est normal, ils y étaient et là ils les ont enlevés. Est-ce que tu as une idée de pourquoi, du comment? Sûrement le partenaire qui était sur la mousse n'était pas un partenaire de ce match. Ah voilà. C'est une histoire comme ça, mais ça pose pas vraiment de problème. Hein. Voilà, c'était normalement pour, petite info. Voilà, allez, on se rejoint au milieu du terrain. Du côté des deux équipes, maintenant. Comme je vous disais, hein, plusieurs arbitres internationaux. Hein, Pierre Pagnon, Jean-Dominique Rossio, Pierre Pagnon a officié en World League en NFL Europe. Il a arbitré 6 finales élites. Et on va avoir la Marseillaise. Alors nous, on ne va pas pouvoir énormément se lever puisque on n'a pas de place du tout. Cette hymne nationale ici au stade Charletti pour cette finale du casque de diamant 2012. Des Black Panthers contre les Spartiates. Mesdames et messieurs, avant le kick-off officiel de ce match, en bleu, pantalon beige. Je vous demande d'accueillir avec un premier applaudissement. Et on va avoir dans quelques. De la triple F à monsieur Marc Angelo Souma. Voilà, d'abord on va avoir un discours de Marcangelo Souma que je ne sais pas si on va entendre totalement. Bonjour, au nom de la Fédération française de football américain, je vous souhaite la bienvenue au 18e championnat de la finale élite. Je tenais à remercier nos partenaires Subway et surtout donner la parole à APITD, l'association de lutte contre la drépanocytose, qui est notre partenaire depuis déjà 3 ans. Je donne la parole à Jenny et à Taylor. Merci beaucoup. Merci, cher président. Merci. Bonjour.
Voilà, on a eu quelques intervenants qui nous parlent de cette maladie. Je suis Taylor, le fils de Jenny Hippocrate, la présidente de l'association pour l'information et la prévention de la drépanocytose. Donc aujourd'hui, je suis l'ambassadeur, j'ai 20 ans et je suis atteint de la drépanocytose. Alors la drépanocytose, comme on vous l'a dit, c'est une maladie génétique, des globules rouges, donc une malformation. Elle apporte d'atroces douleurs, elle fait souffrir et provoque souvent la mort. Donc c'est embêtant, c'est très douloureux. Je ne peux même pas faire de sport, j'aimerais bien être parmi cette équipe-là, voire même l'autre. Mais là, je ne peux pas être sur le terrain en tant que sportif parce que la maladie m'en empêche. Tous les membres me changent le sang pour que j'ai une vie plus ou moins potable. Et c'est pour ça qu'aussi, il faut donner un peu d'argent à l'association, si vous pouvez beaucoup, à la recherche, mais aussi du sang. Parce qu'on a besoin de sang, on me change le sang tous les mois. J'ai ton fauteuil roulant pendant un an et demi, sinon je ne pouvais pas marcher. Je fais souvent des crises, donc aidez-nous s'il vous plaît. J'espère qu'un jour je pourrai jouer au foot US. Donc s'il vous plaît, alors aidez-moi, aidez les enfants des panneaux citaires. Merci. Voilà, les interventions sur le terrain. Voilà. On ne sait pas si le micro est permis à vous, téléspectateurs, d'entendre. Alors, j'ai demandé aux arbitres d'ouvrir leur micro pour le TOS. Quand on a rencontré les arbitres avant cette rencontre, leur dire ce qu'on voulait, ce qu'on attendait d'eux, mais ils le savent hein, puisqu'ils ont l'habitude de fonctionner avec nous avec la Panthère CV à Thonon. Donc on va avoir quasiment les mêmes conditions. Les capitaines, hein, comme si on faisait partie des. Voilà, on va entendre ce qui se passe sur le terrain avec les capitaines. Peut-être donner les capitaines pour les Black Panthers. Le nom des capitaines du côté des Blacks. Excusez-moi. Le numéro 13, Maxime Sprowell. Le numéro 75, Bastien Pereira. Le 22, Dimitri Kiernan. Et le numéro 4, Franck Galvin. Et donc, on n'a pas de roster, malheureusement, histoire de changer. Du côté des Spartiates, il y a un numéro 12 déjà, qu'on connaît au moins. Voilà. Durant, voilà. Le quarterback des Spartiates. Malheureusement, oui. Souvent, les clubs ne fournissent pas les rosters de leurs équipes. Donc, c'est toujours un peu problématique pour les présenter. Et normalement, on est censé entendre l'arbitre. Amiens, vous êtes l'équipe visiteur. C'est donc à vous de choisir pile ou face. Pile, face. Hein. Voilà, le pied s'est lancé. C'est pile qui gagne. C'est vous qui gagnez le tirage au sort. Là, les Blacks gagnent le toss. Vous choisissez de recevoir la balle. Vous choisissez quel terrain. Voulez-vous vous positionner, s'il vous plaît? Thonon gagne le tirage au sort et choisit de recevoir la balle. Voilà, donc voilà. Kick-off pour les Spartiates. Voilà, les Blacks qui vont donc partir en attaque pour cette finale. Il est 14h59. Le coup d'envoi va être donné. Alors, côté Thonnonnais, je ne sais pas si vous en avez parlé tout à l'heure, Laurent et Dylan, hein, il y a des légères petites blessures. Notamment sur la ligne offensive, Pierre Lacoste qui a fait une petite sorte de déchirure ou entorse à l'arrière du genou pendant la semaine à l'entraînement. Et Bastien Pereira qui se remet à peine d'une grosse blessure contre Nice il y a 15 jours. Mais tous les deux sont sur le terrain en tout cas. Ouais, en tout cas, il y a eu un gros travail de notre kiné. Qui a œuvré toute la saison et notre kiné qui nous permet aujourd'hui de on va faire un changement de micro avec Laurent parce que je pense qu'on sera déjà mieux. Voilà, ah je oui, reviens avec un autre micro. Notre kiné le kiné des Blacks qui a fait un excellent travail, Fred Abello, on va citer son nom, puisqu'il a reçu les joueurs quasiment tous les jours pour qu'ils puissent être là maintenant. Allez, ça va partir. Voilà. Les Black Panthers, côté Black Panthers, Dalen Lowry, le numéro 2. En retourneur, voilà. On n'a qu'un seul retourneur, une nouvelle formation kick-off return du côté des Blacks.
côté rasant, voilà, c'est exactement. On s'attendait à ça, un côté rasant. Bellenori qui prend la balle. Voilà, il attend ses blocs. Il passe en... une petite remontée là pour Belen. Une bonne remontée, une bonne défense du côté des Spartiates. Une dizaine de yards là par rapport au moment où il a pris la balle. Les Tonon qui commence en attaque sur leur propre ligne des 39. Allez, premier jeu pour Tonon. Et voilà, la balle à Bellenori. Oui, et qui est très bien arrêté. Donc, pas de gain sur ce premier jeu. Peut-être un petit yard. Vous pouvez voir les ralentis. Ah, merveilleux. Voilà. On aimerait avoir toute la saison. Voilà. Là, vous profitez de conditions exceptionnelles pour la Panthers TV. Allez, deuxième tentative pour les Black Panthers. 9 yards à faire. Deuxième tentative. 9 yards à parcourir pour les Black Panthers. Ça se passe sur la ligne des 40 yards. Et ça va être une passe, petite passe pour Dimitri Karnan, non. Et ça va être, il va y avoir un flag sur le terrain aussi. Un holding là côté Black Panthers. Oui. On attend le. Saisi. Attaque. Cette pénalité est déclinée. Troisième tenue. Alors les Spartiates là qui déclinent la pénalité. Ils préfèrent voilà. Que Tonon joue leur troisième tentative. Troisième et neuf, ouais. Maxime Trouel là qui attend les consignes de Larry Logo. Voilà, c'est fait. Il vérifie. Son rich band, la tactique donnée et allez. La donne assez. Et avec un truc supplémentaire sur ce match, on a l'horloge des 25 secondes avant la remise en jeu. Très agréable pour les quarterbacks qui peuvent gérer complètement le temps avant la remise en jeu. Oui. Cette horloge est placée de chaque côté du terrain. Oh, ça va être saqué. Bon jeu défensif. Très bonne défense là. Et on va punter. On va punter du côté des Blacks. On a mis beaucoup de mouvements là, vous avez vu sur. On va peut-être le voir là, il y avait beaucoup de mouvements. Bah, on le voit. Côté Spartiate. Pour perturber au maximum. Et on va dégager au pied. Alors, Maxime Trouel. Ouh là là. Punt, un peu bas. C'est un peu bas, ouais. Balle qui continue à avancer. Voilà, les Spartiates vont reprendre la balle sur leur propre ligne. Propre ligne des 35, apparemment. Donc les Spartiates hein, qui ont un jeu très équilibré, à la fois à la passe et à la course. Et Larry Logo qui me confiait il y a deux jours de ça, là, qu'il était quand même inquiet. Notamment pour le spread offense qu'ils ont montré lors de la demi-finale au Danemark. Allez, motion numéro 81. Il trips à droite. Et c'est une course plein centre. Oui. Ouais, très housse. Mais qui fait bien 5 yards. Une belle opposition des deux lignes. Ouais, même 6 yards. Pour ce premier jeu des Spartiates. Donc du numéro 20, dont on n'a pas le nom. Ben voilà, c'est Antoine Nicovin, je crois. Bon, Laurent aussi hein, vous tient informé sur la page Facebook. Si jamais vous avez une coupure au niveau de la Web TV. Allez, deuxième jeu par passe. Et c'est une passe longue. Oh, pratiquement intercepté par. Bonne défense de Diech. Ouais, Diech là, qui était sur la balle. Très bonne défense.
Alors regardez le ralenti. Voilà, il passe devant le receveur. Bah, il aurait presque pu intercepter sur ce jeu. On a tenté tout de suite un gros jeu du côté des Spartiates. Jesse Uyindu, numéro 8 des Black Panthers, qui a fait encore un excellent travail. En demi-finale, il avait fait trois fois ce genre de jeu, empêchant les passes des Dauphins de Nice. Oui. Allez, course QB cette fois-ci, mais qui est bien arrêté. Ouais, très bien arrêté par les Blacks. Baylen Lowry là qui... Ouais. Qui vient très bien arrêter avec Christophe Sirouet, je crois. On voit. Voilà, Baylen. Ouais. Le... Et Souza Michel aussi, numéro 44, fait un excellent travail. Et donc, deux, trois, quatrième tentative. Et on va punter déjà du côté des Spartiates. On peut dire que pour l'instant, on a fait un bon drive défensif du côté. Alors, des Blacks. Baylen se tient prêt. Et il va pas. Ouh non ! Il attention ! Il... Oui. Laurent qui parle sans son micro, qui voulait dire. Et... En fait, à la réception de la balle, le receveur Baylen Lowry qui recevait cette balle a échappé le ballon, mais a réussi à le récupérer. Ça a touché un Spartiate et ça lui est revenu dans les mains. Voilà, et donc. Les Blacks sont en possession de la balle, première et 10 sur les 23 yards. Voilà. Et je sens des gouttes d'eau sur moi, alors je ne sais pas vous. Alors Dylan, c'est pas possible, on est et bien à l'abri. Regarde, Biquet, j'ai ma chemise qui est mouillée. Allez, première tentative pour les Black Panthers. Alors... Ils sont sur leurs 15 yards. Et c'est une course plein centre pour Dimitri Kanan. Très bonne course de Dimitri qui va obtenir le first down. Il va obtenir le first down, Dimitri. Genre d'action que les photographes aiment beaucoup. Voilà, ben c'est la première série gagnée, je dirais, pour les Black Panthers. Et une nouvelle série là, de 4 tentatives sur leur propre ligne des 35 pour les Blacks. Voilà. Et cette fois c'est pour Patrick Hall qui va prendre plein centre et ça va être bien défendu. Et pas de gain là sur ce jeu malheureusement. Là, chaque équipe souhaite établir son jeu. Là on fait rentrer Franck Galvin, le numéro 4. On attaque, tu vas sûrement rentrer Tyden. Et Baylen Lowry qui joue receveur. Alors on a vite arrêté là, on n'a même pas vu où on est, ce qui se passait. Je crois qu'on s'est fait saquer du côté des Blacks. Ah non, c'était. Il y a eu une maison. Non, c'était. Alors je crois même la télé s'est fait berner. Par ce jeu, Winti qui est un jeu difficile à suivre. Les sont pas fait berner et les Black Panthers qui se retrouvent à nouveau en troisième tentative. Et 12 yards à parcourir sur cette troisième. Ah oui, pardon. Et on demande un temps mort du côté des Blacks. On a demandé un temps mort du côté des Black Panthers. Il y a des choses à mettre au point. À corriger, voilà. Donc en tout cas, les deux attaques là pour l'instant sont bien bloquées par les deux défenses respectives. Je pense pas que ce soit côté Black qu'on ait demandé le temps mort parce que les coachs n'ont pas été rejoindre. Non, c'est Spartiate. Et puisqu'on voit bien. L'arbitre l'a fait du côté Black alors. Ah, donc, mais c'est quand même les Spartiates qui se réunissent tout de suite avec leur coach. Oui. Et côté Black Panthers, on a le gars que Maxime Sproel et Dimitri Kernan qui sont venus chercher des informations. Bien sûr, on a envoyé des bouteilles d'eau pour les joueurs, mais voilà, on n'est pas intervenu plus que ça. Donc c'est côté Spartiate qu'on a demandé le temps mort. Voilà. Franck Galvin qui sort du terrain.
Et c'est Valentin Sedi qui rentre en tant que crossover, numéro 23. Allez, troisième tentative, et 12 yards d'affaires là, côté Black Panthers. Allez, on va être en wing droite du côté des Blacks. Apparemment des petites incompréhensions là sur côté Black Panthers. Ça discute. C'est une passe. Attention Maxime Frouel, il est sous la pression. Il va être saqué, ouais, Maxime Frouel. Et voilà, deuxième sac sur une troisième tentative là pour Maxime Frouel. Ouais. Et on va punter du côté des Blacks. La ligne des Blacks qui a quelques soucis, hein, qui n'arrive pas à contenir cette défense. Ouais. La ligne offensive, bien sûr. Et donc, 4e et 15, même 16 yards à parcourir. Donc, les Blacks décident de se dégager par un punt. Alors, Maxime Provel, là, qui va punter ce ballon. Voilà, c'est parti. Un peu plus haut que tout à l'heure. Le ballon qui roule encore. Voilà, et ça va être arrêté sur les 35 yards des Spartiates. On tombe à peu près exactement dans la même situation que tout à l'heure. Des Black Panthers qui ont du mal à établir leur jeu. Ouais, pour l'instant, les défenses qui sont supérieures aux attaques. Et on va avoir sûrement un match comme ça qui va se contenir oui. Au niveau dès l'instant où une attaque aura trouvé la brèche dans une défense, cette équipe aura pris un ascendant certain, hein, puisque pour l'instant les défenses font bien leur travail des deux côtés. Et maintenant les Blacks en défense, les Spartiates à l'attaque, premier et 10 sur les 35 yards. C'est parti, ça a été une passe tout de suite, une passe réussie. Et un gain seulement de 4 yards là sur cette passe. Et un plaquage de Baptiste Noir, numéro 52 des Blacks. Qui est resté concentré, là, vous l'avez vu, sur son joueur. Donc beau point, encore une fois, la défense du côté des Spartiates. Une course. Bien arrêté à nouveau là, par les Black Panthers. 2 yards de gain. Les Spartiates là, qui se retrouvent en 3e et 5. Et encore Baptiste Noir, numéro 52 des Black Panthers, en deuxième rideau défensif, qui vient finir le travail de la ligne défensive qui avait bien bouché les brèches. Donc 3e et 5 sur le terrain maintenant pour les Spartiates. Hashmark à gauche, on est à gauche du terrain, l'attaque est à gauche du terrain, donc dans le sens de l'attaque. Philippe Kumbra, numéro 10 là, qui est rentré en tant que corner, côté gauche, côté Black Panthers. Allez, c'est une nouvelle passe et c'est tout de suite côté gauche justement. Oh, il est ouvert. Oh, Anthony Kumbra là justement dont je vous parlais, qui vient de se faire battre. Voilà. Et heureusement pour lui, le receveur. On n'a pas catché la balle. Ouais. Donc, ça aurait été un gros gain là. Malheureusement pour ce numéro 15 là, qui avait la balle tout seul dans les mains et qui pouvait partir bien plus loin. Il a commencé à tourner la tête. Ouais, il a anticipé la réception de cette balle et ça c'est l'erreur. C'est l'erreur la plus courante hein, côté des receveurs. Le receveur anticipe, surtout quand c'est facile, qu'il n'a pas son adversaire tout de suite contre lui. Et on décide de se dégager, on fait un punt côté Spartiate. Voilà. Un punt des 40 yards. La défense des Blacks hein, qui aura tenu encore. Alors est-ce que Baylane va prendre un peu plus de sécurité? Le ballon qui rebondit bizarrement. Et Baylane oui, qui évite. Oh oui, Baylane, oh oui. Et Baylane qui avance bien encore. Ah, Baylane il commence à faire la petite feinte souvent maintenant. Baylane qui craint pas la pression, il peut y avoir deux joueurs à côté de lui. Il va quand même prendre le ballon. Baylane qui nous montre toute sa classe hein, de coureur, changement de direction. Il s'en veut un peu, il pouvait aller plus loin pour lui. Il lui manquait un bloc, hein. Il lui manquait juste un bloc devant lui. Et il réclame de l'eau, je pense qu'il fait chaud sur le terrain. Hein. Nous dans les tribunes on est bien à l'ombre, mais sur le terrain là ça donne fort, c'est un peu orageux le temps. Et nous on était en bas tout à l'heure avant le match et il y a une petite chaleur étouffante dans cette cuvette de Charletti. Et les Blacks en attaque, première et 10 maintenant sur les 28 yards. La ligne gauche, et cette fois-ci c'est pour Patrick Hall qui va prendre l'extérieur, encore une fois très bien arrêté par le numéro 44.
un yard et demi là, bien 2 yards maximum. Il essaye d'échapper à son défenseur mais il est pris rapidement. Et Patrick qui avait qui n'était pas satisfait de sa demi-finale m'avait dit après le match je ferai une meilleure finale et on attend de voir ça bien sûr. Patrick qui s'en voulait un peu de sa demi-finale, il n'était pas heureux de ses performances et voilà donc deuxième tentative, 9 yards à parcourir. On a fait un jeu en double wing. Oh et fumble. Et ça va être recouvert par les Spartiates. Les Spartiates qui reprennent la balle. Et voilà. Une très bonne position. Le ballon a été lâché et la balle était donc vivante. Les défenses des Spartiates qui sont intelligemment saisies. Ce qui permet du coup les Spartiates. Une entame de match très difficile là côté Black Panthers. Voilà donc. Avec le pire des scénarios. Une perte de balle. À l'approche des 20 yards. Les Spartiates là, qui reprennent cette balle sur les 25 yards des Black Panthers. Trips à droite. Chez les Spartiates. Cette fois-ci, il n'y a aucun coureur. Allez, c'est parti, ça sera un jeu de passe. Paul Durand. Allez, Paul Durand, oui, tout seul, son receveur. Bonne course, ah oui. Et le premier. Premier plaquage là qui a été manqué par Jackie Collin. Regardez. Franck Galvin qui a arrêté le joueur à la fin. Ah. Et oui, on l'avait pas vu, hein, mais il y avait fumble. Il y avait fumble. Merci le ralenti. Voilà. Et les Black Panthers qui reprennent la balle. Alors là. Eh bien, c'est tant mieux, parce qu'après cette perte de balle, ça plaçait les Blacks en mauvaise position. Et du coup, on est un petit peu. Les Blacks qui sont un petit peu sauvés, là. En tout cas, hein, les deux défenses, là, qui font vraiment le spectacle. Voilà. Allez, il va falloir là que la ligne tienne. On est quand même acculé à notre end zone. Alors, la balle. Allez, c'est passé pour Baylen. Ah, oh, et qui Baylen qui glisse. Baylen qui a voulu repartir repiquer intérieur là et qui en ouais. S'arrêtant est tombé. Baylen qui a perdu deux petits yards là. Ouais. Donc les Black Panthers qui se retrouvent sur leurs propres 8 yards. C'est Black Panthers, c'est encore une course et on est pris. Ah ouais, très bonne défense là des Spartiates. Les Black Panthers là qui n'arrivent pas à sortir ouais, le jeu. Et là les Black Panthers qui se retrouvent en troisième tentative. 12 yards d'affaires sur leur propre ligne des 8. Les Black Panthers vont tenter une passe. Alors Baylen, on essaie plein centre, mais c'est pris. Ouais, ouais. La grosse pression des Spartiates empêche les coureurs. Et à nouveau, les Black Panthers qui se retrouvent en quatrième tentative. Et Maxime Sproel se fâche hein, alors qu'il y a un joueur côté Spartiate est resté au sol. Maxime Sproel oui s'est fâché auprès de sa ligne. Là je pense qu'il y a des choses qui doivent se corriger côté Black Panthers. Toute la saison on n'a pas vu ce genre de choses. Ok les deux petites blessures là qui Bastien Pereira. Ah mais ils sont toujours sur le terrain, il n'y a pas de. Pierre Lacoste. Peut-être que ça tire dans les jambes, mais il va falloir passer ça. Je pense que les Spartiates mettent une très 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 grosse pression sur la ligne des Blacks. Et, oui, ils savent que... C'est ce qu'ils avaient fait un peu en match de saison régulière.
Et le joueur blessé sort en marchant, il n'y a pas de souci pour lui, au moins au niveau des jambes, puisqu'on on le voit qu'il ne boite pas, c'est déjà une bonne chose. Et les Blacks vont punter maintenant, acculés à leur end zone. Maxime Proel qui est lui dans sa end zone. Allez, c'est parti, bien haut. Hop là. Il va pas très loin. Et qu'il ne sera pas retourné, puisqu'il sera très court. Alors les Spartiates là qui reprennent la balle sur la ligne des 33 des Black Panthers. Une nouvelle série offensive. Donc là attention là pour les Black Panthers qui se retrouvent encore une fois dans leur terrain. Tout à l'heure ils avaient pu récupérer le ballon pour le rendre à leur attaque. Alors Bailey Murray. Corner côté droit, côté Black Panther, avec Josh côté gauche. C'est une course bien arrêtée. Ouais, bien arrêté. Bonne personnage là, qui est venu chercher dans les jambes le coureur Picard. Allez, deuxième tentative. Toujours 10 yards à faire. Côté Amiens. On est très rapproché là côté Amiens. C'est plein centre. Course. Non, c'est par extérieur. Il avance bien et va sortir en touche. Une très belle feinte hein, au niveau tentative de course, enfin une feinte de tentative de course plein centre. Et on part sur le côté droit de l'attaque et on produit du jeu côté Spartiate. Et on obtient le first down, donc les Spartiates qui avancent. Alors, ils sont maintenant dans la zone rouge, hein, ils sont sur les 19 yards des Black Panthers. On est sur la ligne des 19 yards des Black Panthers. Les Spartiates qui se rapprochent dangereusement de la zone en but. Deux receveurs à gauche, deux receveurs à droite, côté Spartiate. Allez, c'est une passe. Paul Durand qui attend et qui trouve. Un joueur complètement isolé. Petit ballon là à destination de son receveur qui aura plus qu'un ballon qui aura plus d'avancée. Bailey Murray qui va venir juste l'arrêter là à la fin. Première tentative récupérée. On est dans la radio cette fois-ci, on est dans la radio des Spartiates. Donc là, c'est les Spartiates, là, très proche maintenant de la zone des Black Panthers. Ouais. À peu près sur la ligne des 7. Ah, et on demande un temps mort. Non, ah, c'est la fin du premier carton. Donc toujours 0-0 là. Donc, ici à Charlity. Mais les Spartiates. Qui domine un peu plus offensivement que les Black Panthers et qui maintenant se montre très dangereux. Voilà, il y a quand même un peu de monde dans ces tribunes, des deux côtés des tribunes. Il y a des hôtesses en plus courtement vêtues qui sont là pour chauffer le public. Un plus de Cheerleader. Allez, une nouvelle série, même sur les 5 yards de Black Panthers. Ça c'est un bon côté droit. Allez, ça tourne côté droit. Il y a un flag. Bien arrêté. Paul Durand là qui on va perdre, ils vont perdre du terrain les Spartiates sur ce jeu. Paul Durand plaqué par Bailey Murray. Tire les tribunes.
entendre l'arbitre principal. Saisi. Attaque. Numéro 56. 10 yards. Toujours premier tenu. Voilà, donc comme tout à l'heure, c'est fini. Les Spartiates là qui se retrouvent maintenant sur la ligne des 15 blagues. Et toujours première tentative. Trips à gauche côté Spartiate. Allez, on passe, passe et une passe encore. Oh, catché, ouais. Tout de suite arrêté par Jesh. C'est pour 17, Sean Fullerton, si je ne me trompe, hein, le receveur étranger là, des Spartiates. Ouais, le seul américain des Spartiates. Autrichien, alors, autrichien. C'est un autrichien, non ? Non, américain qui a joué en Autriche. Ah, c'est ça, alors. Non, non, c'est un américain, ce 17. Américain qui est receveur et qui joue aussi en défense. Donc les Spartiates qui sont maintenant sur les 3 yards des Black Panthers avec cette deuxième à jouer. Un joueur qui vient de Western Oregon. Et une course plein centre et ça pousse. Et ça va pas y être tout de suite. Non, on va être en troisième tentative. Il va rester un yard à parcourir. Un petit yard pour aller au touchdown là, du côté des Spartiates. Ouais. Il va falloir se méfier de Paul Durand pour ce genre de jeu. Une sorte de bunch à gauche côté Spartiate. Voilà. Voilà, malgré qu'il y ait retard les de jeu, les affichages de 5 des secondes, toujours en deuxième, toujours en troisième. De chaque côté du terrain, il y a les affichages des secondes qui restent avant de mettre la balle en jeu. Les Spartiates se sont fait prendre et ont mis plus de 25 secondes à mettre la balle en jeu. Ouais. Une fois que c'était sifflé, donc on recule de 5 yards et on est en 3ème et 6 maintenant. Voilà, 3ème et 6 pour les Spartiates au lieu d'une 3ème et 1. Sous pression. Une course. Bien arrêté. Non. Et il a bien produit son effort. Un gain de 3 yards sur cette course. Quatrième tentative. On va tenter la transformation au pied. C'était bien ça, le numéro 6 avec des cœurs. Des Black Panthers qui dit. Alors c'est pas une transformation, hein, c'est un field goal. On va botter pour 3 points côté des Spartiates, il y a un bon botteur, donc ça peut passer pour 3 points. C'est parti. Et ça va passer. Oui. Et voilà. Le Spartiate là qui ouvre le score ici à Charlotte. Voilà donc les Spartiates qui prennent l'avantage. Trois petits points dans cette finale. Je vous rappelle là qu'on est dans le deuxième quart-temps. Deuxième quart-temps. La belle Emory là qui se remet en place pour retourner ce ballon. On a vu que le premier kick-off là, des Spartiates hein, était relativement court. On sait qu'il ne faut pas donner la balle à Ben Elnori.
c'est beaucoup trop dangereux. Juste en rang au-dessus, nous avons les deux autres coureurs, Dimitri Karnan et Patrick Cole, l'autre joueur américain. Ouais, on avait vu tout à l'heure hein, qu'ils avaient fait un coup de pied rasant. Donc Dimitri et Mike s'attendent à... Voilà, c'est un petit... Et là, c'est ça. Patrick. Voilà, c'est Patrick Hall qui se saisit de la balle. Voilà, qui va être bien pris. Il va gagner 10 yards, Patrick. En tout cas, qui aura emmené le ballon sur 10 yards. Le plaquage par le numéro 34, Louis-Henri, chez les Spartiates. J'ai pas vu le deuxième. Et donc, les Blacks qui font leur retour en attaque. J'ai toujours donné 3-0 depuis le dernier. Allez, on attend la réaction offensive là, côté Black Panthers. Maxis Roy compte toujours quarterback de cette équipe. Des Black. Pour l'instant, on a réussi, il me semble, qu'un first down côté Black Panthers. Allez, les Blacks sont en place. Joël qui change les jeux au dernier moment sur la ligne. Une droite. Ouh là là, une mésentente. Mais oui. Il fait Karnan arrêter tout de suite. On a vu là. Deux joueurs se sont un peu télescopés. Ah, et puis il y a un problème sur la ligne. Ça rentre trop fort. Ça rentre trop fort dans la défense. Ça rentre très fort d'ailleurs dans la défense la défense rentre trop facilement dans la ligne offensive des Blacks et on a à chaque fois un joueur qui vient plaquer le porteur dès que celui-ci a la balle, chose qu'on n'avait pas vu dans la saison régulière. Il va falloir corriger ça côté Black Panthers pour pouvoir produire du jeu. Deuxième et 12 maintenant. On a l'impression de retrouver un petit peu les Black Panthers dans la deuxième mi-temps contre Nice. Et hop là, et ça va être Delove Game. Ah, c'est les Blacks qui tardent à remettre la balle en jeu, ces fameux 25 secondes une fois que la balle est posée et sifflée par l'arbitre. Balle morte, retard de jeu, attaque, 5 yards, toujours deuxième tenue. Et malgré les horloges de chaque côté du terrain, les quarterbacks sont encore pas habitués à regarder. Voilà. Et les Blacks là qui se retrouvent en deuxième et 17. On inverse côté Black Panthers. Encore une motion, Campbell qui est tout de suite pris et il réussit à passer les deux premiers plaquages, mais pas le troisième. Sébastien Séjean avec ce joueur NFL là qui. Le numéro 24 également. Arnaud Bouchard. Et justement, le numéro 24, on entend le speaker du stade dire que le numéro 24 avait fait un bon jeu, mais il est venu au plaquage après que Dayleng soit au sol. Et on a eu une intervention du coach des Black Panthers auprès des arbitres. Bien sûr, le 24 était là pour mettre un coup alors que le joueur était au sol. Alors là, il reste 4 secondes, 3 secondes. Allez, j'en demandais un temps mort. Apparemment, les Black Panthers ont l'air de demander à l'arbitre. Qui gère le truc ? Je crois qu'il y a un problème de. Ouais. Au niveau des tableaux là-bas. Il y avait une discussion avec les coachs et les arbitres et les 25 secondes étaient déjà reparties. Les joueurs des Blacks, quand ils ont commencé le huddle, il n'y avait plus que 7 secondes. Oui. Et à mon avis, au niveau de la table, là, on tient pas compte de ce genre de phénomène que quand on vient parler avec l'arbitre, on arrête le chronomètre. Bon, apparemment, les Blacks qui se retrouvent toujours en 3ème et 17. Ouais, puisqu'on est toujours sur la ligne des 30. Et après le temps mort qu'ils ont pris dû à ce chronomètre qui défilait et qui aurait fait encore un retard de jeu à la reprise du jeu de l'action précédente. Voilà. Les Spartiates
c'est sifflé, le chronomètre est parti, on a plus que 20 secondes là et les joueurs sont pas en place. Ouais. Et voilà, c'est ça. C'est 15. On arrive à 10 secondes là. Allez, faut rapidement se mettre en mouvement. C'est parti. Patrick Hall qui attend son trou, c'est bon. Et qui avance. Et il va. Oh, super. Et Patrick là, qui vient de faire un jeu énorme. Excellent travail de Patrick Hall. On va voir là sur l'impact. Ah, il évite 5 plaquages d'un coup. Il continue d'avancer. Belen Lory là qui venait. Je me demande s'il n'essayait pas le Belen là de prendre la balle pour partir avec. Au vu du mouvement des mains de Belen. Et on fait rentrer Franck Galvin en tight end côté des Blacks. Voilà. Avec ses quatrièmes à jouer, on tente la quatrième. On tente la quatrième, voilà. Deux petits yards à faire. Alors, gros jeu à faire là. On tente quelque chose là, du côté des Blacks. On tente une course pour Patrick Hall qui va prendre l'extérieur. Et le first down qui est obtenu. Oui, le first down. Qui est obtenu largement. Voilà. Encore voilà, un gros travail de Patrick Hall. Oui, oui. Ah, mais on sent les Blacks repartir là après ce temps mort et ces infos de. Enfin, les consignes qu'a dû donner Larry. Allez, c'est sifflé. Le compteur, on est toujours dans le goal. Il reste 15 secondes. On se met rapidement en jeu, les Blacks, si on ne veut pas prendre. Allez, c'est parti pour Benori qui attend les blocs. Ça va être. On va gagner 3 yards sur ce jeu. Ouais. Pas vraiment de trou là pour. On voit très bien la caméra sur ce plan. Pas vraiment d'ouverture. Oui. Et un joueur spartiate qui reste au sol. Ah, c'est un Black, pardon. Ça, c'est Baylen. Donc, il va devoir sortir un jeu. Ouais. Voilà, Baylen qui doit sortir pour un jeu, c'est la règle. Hein, malgré que. Apparemment, c'était une fête. C'était pas une chose importante. Hein. Peut-être qu'il reprenait juste son souffle. Ouais, parce que Baylen joue des deux côtés. Hein. Aujourd'hui, il joue en attaque et en défense. Et pour compenser, on fait rentrer à nouveau Franck Galvin. Allez, deuxième tentative. 8 yards aux Black Panthers. Une course plein centre encore. Rapidement arrêté. Il y a un petit espace là, côté gauche pour le receveur Black Panthers. La ligne défensive des Spartiates hein, qui a un peu le dessus sur la ligne offensive des Blacks. Et on a gagné un yard sur cette deuxième tentative. On est en 3ème et 7 maintenant pour les Blacks. 3ème et 7. On a vu la Pierre Lacoste numéro 71, hein, beaucoup trop haut par rapport à son adversaire. Dimitri Kernan, là, Dimitri Kernan, bonne course, le first down. Belle course de Dimitri Kernan. Allez, superbe course de Dimitri Kernan, comme il en a l'habitude, et qui nous gagne un nouveau first down. Ouais, il saute magnifiquement là au-dessus de l'Américain. Alors on est pris sous les feux de FR3 région en Rhône-Alpes. Voilà, c'est ça. Et j'ai tellement encouragé Dimitri que je crois que j'ai été gaulé en flag. Allez, première et 10. Première tentative d'yard à parcourir. On est maintenant sur les 33 yards. Ouais, 32 yards des. Allez, c'est parti. Des Spartans. Et c'est une river cette fois-ci. Non, on a failli faire une passe. Et non, du coup, Baylen qui va repartir plein centre. Ouais, c'était un peu bizarre comme jeu.
Ça a été plutôt ralenti ce jeu. Voilà, on donne à Patrick Bellen qui cherche, qui décide de partir à la course mais qui est bien arrêté. Et deuxième tentative, 10 yards à parcourir. Allez, il faut que les Black Panthers profitent du tempo qu'ils réussissent à mettre. Allez, Dimitri Carnan à nouveau au plein centre. Ouais, ça va être difficile là, on va gagner 3 yards. Ouais. Et on se retrouve en troisième tentative. On était en troisième ou deuxième là du coup? Parce que le poteau est déjà sur troisième. Ça me paraît un peu tôt déjà. Ça va être la troisième tentative. Oui. 8 yards à faire là pour les Black Panthers pour une nouvelle série. On est sur la ligne des 30, Damien. Et on change. Beaucoup de mouvement là côté Damien. Allez, une course. Et Patrick Cole qui va partir à l'intérieur. Ouais, ouais. Ça va être difficile. Va être une quatrième tentative. Alors, unité spéciale rentrée, donc on va la jouer. Alors, voilà, il y a un trou, Patrick le voit, mais trou qui se ferme tout de suite. Avec un très beau plaqué là. Allez, c'est sifflé par l'arbitre principal. 25 secondes pour se remettre en jeu côté Black Panthers. Allez, on se remet en place du côté des Blacks. Quatrième tentative, 4 yards à parcourir. Franck Galvin en receveur éloigné, oui. À droite. Allez, 5, et 4. Motion de Baylen. Oh, oh là là, le mésentend de Fumbo. Oh là là là. Et là, l'Esparcette qui va repartir. Voilà, donc quatrième qui ne fonctionne pas. Voilà, c'est ça. Et deuxième fois que Dimitri Carnan. Donc les Blacks rendent la balle aux Spartiates. Deuxième fois là qu'on voit cette erreur. Hein. Dimitri Carnan qui rentre dans Massive Proel. C'était une belle occasion ratée malheureusement pour les Black Panthers de revenir à la marque. On repart en attaque du côté des Spartiates. Allez, ça va être une passe. Allez, bonne passe. Ouais. 89 là, qui a bien obtenu. Il a presque obtenu le first down, je crois. Un receveur qui arrive, ouais, Thomas Lapios qui avait réceptionné cette balle, 88 des Spartiates. Thomas Lapios qui a gagné 9 yards, on va être en deuxième. On tente une passe. Oh, très beau catch. Alors non, apparemment il n'y est pas, j'ai cru. On peut voir ça sur les images. Non, le joueur n'avait pas la maîtrise de la balle. Oui, on le voit bien. Touche le sol avant. Toujours un petit yard à faire là côté Spartiate pour une nouvelle série. Passe, quarterback qui est un peu sous la pression. Il va partir à la course. Le first down est obtenu. Très belle course. Très belle course là de Paul Durand. Ouais, Paul qui montre toute sa mobilité. Hein. Il était à quelques centimètres d'être plaqué. Et il arrive à gagner des yards alors qu'un joueur des Blacks reste au sol. C'est Baylen, je crois. Ah non. Non, il y a deux numéros. Il y a un homme de ligne, c'est Christophe. C'est Christophe Sirouet.
Il ne doit pas rester énormément de temps. Je ne sais pas s'il signale les 2 minutes. Nous, on a 52 secondes. On a pris un coup là avec les sociétés. Si, c'est le temps effectif, hein, 52 secondes, puisque les gens qui gèrent ça, ce sont les arbitres à côté de nous là. Et c'est vraiment le temps effectif. Je rappelle, le score est toujours 3-0 suite à ce Et on a le même temps, nous, Laurent, sur l'affichage de la Web TV aussi. Voilà, Christophe qui s'est relevé, qui boite un peu. Ça va être le souffle coupé, je pense. On espère que c'est pas trop grave. Allez, première et 10 juste avant la ligne médiane. Dimitri Carnan là, venu remplacer Christophe Sirouet. En end côté droit. Première tentative. Et une passe. Quarterback qui repart encore là. Il attend. Il attend. Belenori qui a failli intercepter la balle et là il avait un boulevard devant lui. On revoit là, sur les images. Ah, il vient louper. il est très peu. Surpasseur, il y a refing surpasseur, je crois bien. Pardon ? Je pense qu'il y a refing surpasseur, il y a un flag, on va écouter l'arbitre. Le joueur est arrivé. Ouais, c'est contre les passes. Brutalité sur le passeur. Numéro 22 en défense. 15 yards. Premier tenu. Surtout que le ballon, on l'a bien vu à la vidéo, là le ballon était parti. C'est dommage pour les Blacks là. Donc, les Blacks qui se mettent à nouveau en difficulté. Spartiate qui se retrouve sur la ligne des 39. Des Black Panthers. Première tentative. Motion du numéro 81. Et une passe. Allez. Oh, pour 89, bien catché, first down, et ben il va sortir juste après le first down. Il a le temps. C'est Thomas Lapios, numéro 88 hein, encore, qui est la réception de cette balle. Et ça fait deux fois là qu'il le trouve hein, dans le flat, sur un tracé flat. Ouais, il arrive à se libérer, à être sans marquage, et il va gagner ce first down à chaque fois. Allez, les Blacks sur leur 28 yards maintenant. 28 yards pour les Spartiates, s'ils veulent attraper le score. Le pauvre Durand qui a du temps pour lancer. Il est bien protégé par sa ligne. Allez, c'est parti. Nouvelle passe, une passe longue. Trop haute, ouais. Nolan Guerras qui était là pour défendre. Nolan Guerras qui est venu directement dans les jambes. Ça c'est le risque, hein. C'est le risque pour un receveur qui saute haut, ouais. De prendre le défenseur dans les jambes alors qu'il est en l'air, et c'est tout à fait légal, hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Ouais, surtout que Nolan a été très correct là. Il n'a pas cherché à viser le joueur. Et donc on demande un temps mort côté Spartiate pour arrêter le chronomètre à 30 secondes hein, de la mi-temps. Voilà. Et pour l'instant, une première mi-temps très très serrée dans cette finale élite. Les Spartiates là, qui vont certainement vouloir marquer un touchdown. Ouais, c'est un peu ce qui était annoncé, un match serré, hein, puisque les deux équipes se connaissent par cœur. On met au point côté des coachs les tactiques pour essayer d'arrêter les attaques. Pour l'instant, les Spartiates le font mieux que les Blacks. C'est pour ça qu'ils mènent au score 3-0 et qu'ils sont en position favorable maintenant à 30 secondes de la mi-temps. C'est sifflé en tout cas. On repart en attaque. Formation spread. Deuxième et 10. Et une
passe. Quarterback qui cherche un receveur. Et non catché encore. Ouais. Il y avait trois, une bonne trois défense là. Madame Guerras, numéro 3. Kesh, numéro 8. Et Baptiste Noir, numéro 52. Ouais. Et qui était là pour défendre. Bonne défense. Ah, un flag. Il y a un flag, oui. Pour moi, c'est un holding. Hein. Pour moi, c'est un holding. On va attendre l'arbitre. Ouais, parce qu'on s'adresse au capitaine ouais, si Black. Saisi. Voilà. Attaque. Numéro 77. Diab. Toujours en deuxième tenue. Voilà, donc on reste en deuxième tentative côté Spartiate, mais cette fois-ci, on a 20 yards à parcourir. Un joueur, donc le 77, a retenu illégalement un défenseur des Black Panthers. On recule de 10 yards et on est toujours dans la même tentative. Deuxième et 20 maintenant. Position spread. 5 receveurs. Côté Amiens. Allez, c'est une passe. C'est non catché. Troisième tentative. Une balle qui a été lancée un peu en retrait. Et numéro 15 qui n'a pu s'en saisir. C'est déjà lui tout à l'heure hein, qui avait échappé le ballon alors qu'il avait la possibilité de partir pour presque un touchdown sûrement puisqu'il était assez libre. Là cette fois-ci ça met les Spartiates en troisième tentative avec toujours 20 yards à parcourir. Voilà, moins de 20 secondes à jouer. Et à nouveau une spread offense. Trips à droite. Même quadruple à droite. Oui, on est fait avec un wing. Allez. Oui, oui, oui. Et le quarterback qui va être sacké. Johan Personnaz. Superbe. Voilà, très bien Johan joué. Qui, Et là, du coup, ça va mettre, ça va beaucoup reculer les Spartiates. Johan a été très vigilant. Les Spartiates qui vont être en quatrième tentative. Ouais. Et il tente le field goal, je pense. Des 50 yards. Non, ça fera plus de 50 yards alors. Ça fera 60 yards, hein, parce qu'il y a 10 yards de end zone. Et plus le retrait du ballon de 7 yards. Non, je pense pas qu'on va tenter de field goal, si. J'ai pas vu, j'ai vu un signe de l'arbitre faisant signe. Et je vois un bel exemple de sportivité avec... Paul Durand qui vient à taper la main de Nolan Guerraz. Temps mort. 3 secondes à jouer. Remettez 3 secondes sur l'horloge s'il vous plaît. 3 secondes. On peut faire un dernier jeu. Bailey Nori est rentré. Alors en fait, alors, il reste 3 secondes. 3 secondes. Il reste 3 secondes. Voilà. Et Dimitri Kernan croyait que c'était fini. Il était quasiment au-delà de la piste d'athlétisme quand il s'est rendu compte que ça jouait encore. Il reste 3 secondes de jeu, donc une action puisque assez de temps nécessaire pour développer une action puisque le chrono ne va, le temps ne, l'action ne va pas s'arrêter même s'il n'y a plus de secondes effectives au chronomètre. Donc les Spartiates ont encore une action avant la mi-temps. Voilà. Jim Kriener, le coach des Spartiates qu'on voit à l'image. J'ai seulement 71 ans et toujours en pleine forme dès qu'il est sur un terrain. Donc on va la jouer hein, cette quatrième tentative. On va être sur les 50 yards pour aller au touchdown. Voilà, Jim Kriener qui donne ses consignes. Ouais, c'est 4ème et 32. Hein. Pardon Laurent. 4ème et 32. 4ème et 32, mais à mon avis on tente le touchdown sur ce jeu. Ouais, ouais. De toute façon il n'y a qu'une action, il n'y a plus qu'une action. Voilà, Paul Durand a gardé la balle, il part à la course. Donc il n'y a plus de temps et voilà, il sort en touche sur le jeu qui ne donnera rien à mi-temps sur cette action. Voilà, là, on attend. Là, voilà la mi-temps.
Donc les Spartiates mènent ici à Charletti 3-0. 3 points marqués dans le milieu du deuxième carton. Voilà. Pour un field goal. On peut noter hein, que les défenses en tout cas sont bien présentes. Oui. Est-ce que toi Laurent tu as des choses à dire sur cette première mi-temps? Pas grand chose, non. Non, je m'attendais à une grosse défense hein, des Spartiates qui, on le sait, ont récupéré des joueurs clés hein, qu'ils n'avaient pas au match qu'on a connu à Thonon en saison régulière. On voit les Blacks qui restent avec leur coach sur le terrain, mais qui vont rentrer hein, dans les vestiaires. Et les Blacks ont des choses à corriger au niveau de la ligne offensive. Eh bien, nous on va. Laurent, c'est tout bon pour toi ? Oui. Eh bien, écoutez, on va vous passer quelques vidéos pour l'instant. Alors, on va vous présenter une petite vidéo sur le flag, ce sport, une discipline de foot américain qui est sans contact. Le flag, c'est l'école du football américain. C'est les règles quasiment du football américain, mais il n'y a pas de plaquage, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de bloc. Et le flag, c'est un sport qui se joue en France de façon mixte, et puisqu'on peut jouer, il n'y a pas le défi physique qu'on peut voir en football américain normal. Voilà pour ça. Eh bien, nous, on va vous présenter donc cette vidéo sur le flag. Et on se retrouve tout de suite après. Le flag est un sport dérivé du football américain. Son championnat de France existe depuis 1989 et l'équipe de France a déjà remporté le titre européen et mondial. Voilà pour le côté historique. Pour ce qui est des règles, mieux vaut donner la parole à une experte. Le flag, c'est un sport sans contact qui est dérivé du football américain. Donc ça ressemble vraiment à du football américain, sauf qu'on joue sur le terrain et à 5 contre 5. Après, en France, il se pratique de manière mixte. Ça apporte un plus pour les féminines qui peuvent progresser plus vite et ça permet aussi d'équilibrer un petit peu le niveau des équipes. Alors flag, ça veut dire drapeau. Donc les joueurs ont une ceinture avec deux bandes scratchées au niveau des hanches. Et pour éviter tous les contacts et simuler justement le plaquage comme au football américain, on va aller arracher le flag si jamais l'adversaire a le ballon. L'objectif en défense est d'intercepter le ballon, mais si ce n'est pas possible, on va aller déflaguer l'adversaire pour l'empêcher de gagner plus de terrain. Comparé au football américain, en fait, on n'a pas toutes les mêmes phases de jeu, on en a un petit peu moins, on n'a pas de jeu de pied. Alors un match de flag dure 2 fois 20 minutes. En général, en fait, nous participons à des tournois, donc nous venons sur et on fait 3 et 5 matchs par journée. On est en France environ 8000 licenciés. Ça va dépendre des régions. Il y a des régions qui sont vraiment bien développées au niveau du fly et on voit des régions où il y a quelques petits clubs qui sont tout seuls et qui ont justement à se développer. Je dirais que c'est un sport vraiment sympa, sans contact, qui amène de la mixité et très facile à pratiquer. Donc on peut vite progresser. Pour ce qui est du score, marquer un essai rapporte 6 points et peut être bonifié avec une transformation jouée à la main. Voilà, le flag n'a plus de secret pour vous. Allez, un dernier conseil. Comme... Faites du flag, c'est vraiment sympa et convivial. Le flag est un sport dérivé du football américain. Son championnat de France existe depuis 1989 et l'équipe de France a déjà remporté le titre européen et mondial. Voilà pour le côté historique. Pour ce qui est des règles, mieux vaut donner la parole à une experte. Le flag, c'est un sport sans contact qui est dérivé du football américain. Donc ça ressemble vraiment à du football américain, sauf qu'on joue sur le terrain et à 5 contre 5. Après, en France, il se pratique de manière mixte.
ça apporte un plus pour les féminines, elles peuvent progresser plus vite et ça permet aussi d'équilibrer un petit peu le niveau des équipes. Alors flag, ça veut dire drapeau, donc les joueurs ont une ceinture avec deux bandes scratchées pop, au niveau des hanches. Et pour éviter tous les contacts et simuler justement le plaquage comme au football américain, on va aller arracher le flag si jamais l'adversaire a le ballon. L'objectif en défense est bien d'intercepter le ballon, mais si ce n'est pas possible, on va aller déflaguer l'adversaire pour l'empêcher de gagner le terrain. Comparé au football américain, en fait, on n'a pas toutes les mêmes phases de jeu, on en a un petit peu moins, on n'a pas de jeu au pied. Alors un match de flag dure 2 fois 20 minutes. En général, en fait, nous participons à des tournois, donc nous venons sur et on fait 5 matchs par journée. On est en France environ 8000 licenciés. Ça va dépendre des régions. Il y a des régions qui sont vraiment bien développées au niveau du fly et on voit des régions où il y a quelques petits clubs qui sont tout seuls et qui ont justement à se développer. Je dirais que c'est un sport vraiment sympa, sans contact, qui amène de la mixité et très facile à pratiquer. Donc on peut vite progresser. Pour ce qui est du score, marquer un essai rapporte 6 points et peut être bonifié avec une transformation, jouée à la main. Voilà, le flag n'a plus de secret pour vous. Allez, un dernier conseil. Comme... Faites du flag, c'est vraiment sympa et convivial. Voilà, après cette petite vidéo sur le flag, on vous présente maintenant les Fajas. Laurent, si tu veux dire quelques mots sur... alors, Laurent qui a débranché ses écouteurs. Si tu veux dire quelques mots sur les Fajas avant de passer cette petite vidéo là, de la Lirafa. Voilà, les Fajas, ça existe depuis 2005. C'est une école de football américain destinée aux juniors, enfin aux cadets et aux juniors. Et c'est une semaine à Thonon-les-Bains au mois d'août. C'est les meilleurs coachs français qui sont là. Et la plupart sont des joueurs qui sont sur le terrain aussi aujourd'hui. Voilà. Avec le coach Larry Legault, le coach des Black Panthers sur... enfin, le coach des Black Panthers qui est le maître d'œuvre de cette école de football américain qui donc se passe à Thonon. Avec, on en parlera avec un petit surplus cette année après la vidéo, on reparle de ça. Allez, on lance la vidéo et on reparle de les Fajas. Voilà. Après la vidéo. Voilà, on se retrouve après cette petite vidéo. Laurent. Ouais, donc en marge de l'EFAJA cette année, il y a une clinique de coach, c'est-à-dire un stage de coaching avec, encadré par deux grands coachs américains, dont Jim Kreiner, le coach des Spartiates actuellement dans voilà. Cette finale. Et l'autre coach est un coach qui a coaché NFL. Au niveau donc au plus haut niveau puisqu'il a deux titres NFL avec notamment les 49ers de San Francisco et il coachait à l'époque des Joe Montana, Jerry Rice, il coachait les équipes spéciales et donc cette personne sera là pour donner des enseignements de coach en marge de l'EFAJA. Et on sait qu'il y a déjà des coachs français, je ne sais pas s'il y a des coachs étrangers qui se sont inscrits à cette clinique coach.
mais ça va se dérouler, donc ce sera en marge, donc, donc comme je le disais, de l'EFAJA, mais c'est les après-midi avec des cours et des cours sur le papier et des cours sur le terrain. Donc voilà, ça c'est la deuxième partie, la nouveauté de cette année au niveau de l'EFAJA. Voilà pour ça. On va vous laisser quelques minutes le temps de faire une petite pause et de boire un coup ici à la Panthers TV. On se retrouve dans quelques minutes pour l'entrée des joueurs. A tout de suite.